Yo le petit pote, c'est Davy. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo ne commence, toi derrière ton écran, n'hésite pas à liker, t'abonner à la chaîne YouTube. Et moi je te laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui les amis, nous allons parler de la nouvelle maison que Adoptomy ont mis en place sur leur plateforme de jeux vidéo. Du coup c'est parti. Du coup il faut se dire les amis que cette maison est à 845 Robux je crois. Donc c'est extrêmement cher je trouve, juste pour une maison. Ils auraient dû la mettre en B-Box ou en Box, je sais plus comment s'appelle la monnaie du jeu. Mais c'est des billets verts tout simplement. Mais je trouve ça énormément cher, 845 Robux. Bon, je dis pas, j'ai vu la vidéo de Lina et de Sam. Ces deux youtubeuses ont présenté la maison. En fait, ils l'ont acheté, ils l'ont présenté et tout. Et c'est vrai que la maison est assez grande. Il y a une grande patinoire. Alors ça, c'est une première dans Adoptomy. Enfin, dans les maisons Adoptomy, c'est une grande première. Avant, il n'y avait que des piscines. Là, c'est une patinoire. Donc super Adoptomy, franchement, là, super, chapeau. Mais par contre, 845, voilà quoi. Mais sinon, je dis pas, la maison elle est grande et tout, c'est un grand chalet. Mais voilà, c'est trop cher pour ce que c'est. Moi, je mettrai jamais ces sous-là, même si je les ai pas. Donc voilà, je voulais juste partager mon point de vue sur cette maison. Ouais. Donc voilà la maison, voilà. Franchement, ouais, elle est bien, elle est jolie, mais c'est tout, c'est juste que 800, ouais, si je me trompe pas, mais 845 Robux, c'est trop cher, voilà. C'est beaucoup trop cher pour cette maison, enfin. Moi, je l'aurais mis en billet vert. Moi, je préfère dire billet vert, parce que si je me trompe, tu vois. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de Robux, tu vois. Donc, s'ils veulent avoir une maison de rêve, bah, ils peuvent pas, en fait. Et c'est pareil pour toutes les maisons. Il y a une maison, par exemple, à 1400, mais c'est énorme. Mais, en fait, plus c'est grand, plus c'est cher. Enfin, plus c'est cher, ouais. Donc Adoptomy, essaye de faire un petit effort sur ça. Et aussi une chose, essayez de laisser tous les pets sur le jeu. Comme ça, les nouveaux arrivants pourront obtenir les pets. Mais si vous voulez, vous pouvez multiplier les prix. Mais laissez tous les pets en jeu. Comme ça, tout le monde pourrait en profiter et tout. Et comme ça, on pourrait tous les avoir dans notre inventaire, tu vois. Pareil pour les véhicules, les jouets. Enfin, les jouets, on s'en fout, mais... Bon, il y en a qui s'en foutent pas, mais... Tous ces pets là, essayez de les laisser en jeu parce que je sais que vous laissez en jeu seulement les pets à Robux. Dans la boutique Robux, il y a des pets à Robux. Vous laissez seulement les pets à Robux. Vous voulez vous faire plus de blé, c'est un peu comme tout. Hein. Donc voilà. Donc c'était mon petit point de vue. J'espère que cette petite vidéo sur mon point de vue sur la maison d'Adoptomy, la nouvelle maison d'Adoptomy. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, partager à vos amis. Et nous on se dit à une prochaine vidéo. C'était Davy. Ciao. Et j'ai mon lien sur mon serveur Discord. Si vous voulez parler avec moi, bah il n'y a pas de problème. Allez, bye.